les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, explication du Cheikh Haytham Sarhan, hafidahullah. 14e leçon, le pèlerinage. Il est le 5e pilier de l'islam. Il est obligatoire, à condition d'être musulman, d'avoir la raison, d'être pubère, libre, d'avoir la capacité. La femme doit remplir une condition supplémentaire qui est la présence d'un tuteur si elle doit voyager. Les piliers du pèlerinage sont au nombre de 4. Premièrement, l'état de sacralisation. C'est l'intention de débuter les rites. Ce n'est pas le fait de prononcer la talbiya ou de porter la cape et le panier. Deuxièmement, séjourner à Arafat. À partir du zénith, le 9e jour de Dhul-Hijjah, jusqu'au lever de l'aube du jour du Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pèlerinage est la station à Arafat. Al-Hajj Arafat. Troisièmement, les circumambulations du déferlement ou de la visite après la station à Arafat. Quatrièmement, les circuits entre Safa et Marwa. Allah a dit: les monts de Safa et Marwa font partie des lieux sacrés d'Allah. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Les trois types de rites: Al-Ifrad, Al-Qiran, Al-Tamattu'. Premièrement, Al-Ifrat, c'est l'intention de n'accomplir que le pèlerinage en effectuant que ses rites. Deuxièmement, Al-Qiran, c'est l'intention d'accomplir le pèlerinage et la Umra en même temps, en effectuant que les rites du pèlerinage. On aura dans ce cas une bête à sacrifier. Et troisièmement, Al-Tamattu', c'est le fait d'accomplir une Umra pendant les mois du pèlerinage, puis d'accomplir le pèlerinage la même année. On aura dans ce cas une bête à sacrifier.